Bonjour à tous, je m'appelle Corentin Mabot, j'ai 24 ans et je fais partie d'Altenland depuis maintenant bientôt 2 ans en tant que consultant data. Mon talent, je fais du sky running, du ski alpinisme et de la hiking trail. Vous êtes ici chez moi en Cerdagne dans les Pyrénées-Orientales et je vais vous présenter mon projet. Alors d'abord, quelles sont ces disciplines? En préparation hivernale, je fais beaucoup de ski alpinisme, souvent en pente raide ou en couloir, qui consiste simplement à monter la montagne en ski ou en crampon avant de la redescendre. Je fais aussi de l'escalade et de l'alpine trail. C'est de l'alpinisme léger et rapide. On part avec le minimum de matériel et le plus léger possible pour boucler des itinéraires en alpinisme traditionnel le plus vite possible. Cette discipline n'est pas en compétition. Et bien sûr, le skyrunning, c'est considéré comme de la course extrême en montagne, des distances variant entre 20 et 40 km avec des dénivelés allant jusqu'à 4000 mètres positifs et négatifs. Elle combine sentiers de montagne, passages plus techniques en crête, le tout sur des pentes allant jusqu'à plus de 60%. Ce sport m'apporte des qualités essentielles dans mon travail comme une prise de décision rapide face à des situations critiques, garder son calme et persévérer. Ça m'apporte bien sûr aussi le travail d'équipe car nous sommes souvent en deux ou plus sur nos sorties, notamment en progression accordée. La pratique de ce sport me permet d'arpenter le terrain que j'affectionne le plus, la montagne, tout en faisant plein de sensations fortes au quotidien. Je m'entraîne pour atteindre mon meilleur niveau et pourquoi pas un jour rivaliser avec les meilleurs. Cette année, je me mets pour objectif un top 10 sur le circuit Coupe de France de skyrunning qui regroupe 5 courses dans les Pyrénées, Alpes et Corse. Je participe également à quelques manches du Coupe du Monde, comme la première à Malaga qui s'est déroulée fin avril, et peut-être les dernières manches en Espagne et Suisse. Le prochain rendez-vous est le 28 mai dans les Pyrénées-Orientales pour la première manche de Coupe de France, et pourquoi pas rêver d'une qualification en équipe de France pour les championnats d'Europe à Gusinge dans le Monténégro. J'espère que mon projet vous a plu, que ces images vous ont fait rêver et voyager. En attendant les résultats, comme dit toujours, take your line and leave it.